Salut, 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 salut. Bon, c'est un live de quelques minutes, on peut le dire comme ça. On va laisser le moteur allumé parce que nous allons jouer quelques communications. Notre roi de Luango, Sa Majesté Dikaya Zinga Ier, a parlé. Et d'ailleurs, l'unique roi du royaume de Luango a parlé. Pour un message qu'il a passé aujourd'hui, le 31 mai 2023. Donc c'est un message qui s'adresse à l'ensemble des peuples Congo. Les Congo de Luango, du Niadi, les Congo de la Bouenza, de la Lekoumou, les Congo de Mpangala. Donc nous allons donc tous écouter ce message de Sa Majesté Dikaya Zinga Ier. Il est déjà disponible sur le réseau WhatsApp. Nous allons donc le mettre dans les réseaux, certainement que je circule déjà dans les réseaux Messenger, Facebook. Salut à vous. Et nous allons le mettre à YouTube ce soir. Nous sommes au 31 mai 2023. Nous allons donc écouter le message de notre roi, l'unique roi, le royaume de Luango, Sa Majesté Dikaya Zinga Ier. On va donc le jouer et on va écouter. Cher peuple du royaume de Luango, souverain et insoumis, cher peuple de la Fédération Congo, souveraine et insoumise, recevez mes salutations fraternelles en ce jour de 31 mai 2023. Dans 7 jours, c'est-à-dire le 7 juin 2023, nous célébrerons et fêterons tous ensemble le 3e anniversaire de la souveraineté retrouvée de notre royaume, de votre royaume. Ça sera l'occasion pour chacun d'entre nous, non seulement de chanter et de danser seul et ou en famille, mais aussi et surtout l'occasion de s'interroger sur la part, la contribution de chacun dans la consolidation de cette souveraineté et dans son installation effective sur le terrain, sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres actuellement sous occupation illégale et illégitime franco-mboshi. En effet, nous le savons tous et même nos ennemis le savent. Pour aussi parfaite que puisse être la création de la Fédération Congo, ce qui est déterminant, c'est la reprise effective du contrôle de nos terres et la gestion de celles-ci par nous-mêmes. Pour atteindre nos objectifs, l'âme la plus puissante reste le renforcement de l'union de nos peuples et la mobilisation de chacun d'entre nous autour de l'idéal commun, autour du cap fixé par la Fédération Congo à travers la pétition qui nous a conduit à la création de notre nouveau pays, le 55e pays d'Afrique regroupant le royaume de Luango souverain et insoumis et les 4 États souverains et insoumis. De Mpangala, de la Bouenza, de la Lekoumou et du Niadi. En effet, c'est connu, lorsque les bonnes idées de libération et de révolte s'emparent des peuples opprimés solidaires, elles deviennent une force capable de soulever les montagnes. Oui, nous soulèverons les montagnes tous ensemble. Voilà pourquoi la moindre idée de balkanisation, implicite ou explicite de notre peuple, du peuple Congo dans sa diversité, doit être condamné. Cher peuple, nous sommes tous, vous êtes tous d'une certaine façon des leaders de la Fédération Congo. Cependant, celles et ceux qui pensent jouer un rôle positif au sein du royaume de Luango, souverain et insoumis, et par conséquent, au sein de la Fédération Congo, souveraine et insoumise, doivent s'abstenir de ramener sur la table du Mongi Congo permanent la nourriture préparée, empoisonnée et offerte par l'ennemi pour ensuite plaider l'erreur de casseroles et de recettes. Cher peuple Congo dans sa diversité, parce que nous combattons nos ennemis avec en très grande partie le plan de l'au-delà et la volonté de Nzambia Mpongo, nous sommes soumis en permanence à toutes sortes de tentations. C'est humain, je peux le concevoir. Parfois même, il peut arriver de succomber à certaines suggestions du malin, en mangeant un peu plus que d'habitude, en dormant un peu plus que d'habitude,
On aimant charnellement un peu plus que d'habitude, mais lorsqu'on tombe, il faut savoir se relever très vite. Cher peuple, chers frères et sœurs, que la tentation vienne de l'esprit du diable, cela peut être compréhensible, voire même excusable. Toutefois, que cette tentation vienne des hommes et des femmes, comme l'embauchy et les leucodermes occidentaux, notamment français, que nous connaissons très bien, est inexcusable et intolérable. Voilà pourquoi je réitère ici, à travers cette allocution, qu'il s'agit de rompre définitivement et irréversiblement les liens avec tout débrasiste, agent publicitaire du palais de l'Élysée, portant ou non la marinière jaune de leur président français nommé, et je cite, ou je nomme, Emmanuel Macron. Cher peuple Congo dans sa diversité, chers frères et sœurs, une faute avouée est à moitié pardonnée. Par conséquent, celles et ceux qui ont été approchés par les faux hommes de prière, par l'argent sale, Nemoshi, ou par les femmes manipulatrices dont ils reconnaissaient les visages, puissent l'avouer à leur peuple afin de bénéficier éventuellement du pardon de ce même peuple, car je ne vois pas ou je ne vois que les faux pasteurs ou les faux prêtres, l'argent sale ou la femme manipulatrice à l'origine du trouble de l'esprit de celles et ceux qui, en ce qui concerne la Fédération Congo, évoquent maintenant ou aujourd'hui une erreur de création. Enfin, mon cher peuple, mes chers frères et sœurs, soyez rassurés. La souveraineté retrouvée du royaume de Luango n'est pas en péril. La souveraineté de la Fédération Congo et l'alliance éternelle du peuple Congo dans sa diversité ne sont pas non plus en péril. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive le 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive le peuple Congo dans sa diversité. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Bat le monde. Vandou, 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 Vandou. Bukulu, Vandou, 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 Vandou. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bon, je crois que vous avez tous compris ce message de Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, notre roi du Luango, qui vient ici rassurer l'ensemble des peuples Congo qui sont aujourd'hui boulonnés dans l'alliance éternelle à travers la boussole qui nous guide tous, que nous appelons la pétition de l'autodétermination des peuples Congo, comprenez. Et le message de Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier rassure les Congos du royaume de Luango, rassure les Congos du Niadi, rassure les Congos de la Lekumu, rassure les Congos de la Bouenza, rassure les Congos de Mpangala. Comprenez? Il vous a présenté trois points essentiels qui peuvent faire glisser ou qui ont fait glisser certains frères et sœurs dans la tentation. Il a parlé des faux pasteurs, il a parlé de l'argent sale et des femmes manipulatrices. Parce que l'ennemi peut vous tenir à travers des femmes. Et vous connaissez ces femmes-là. On les a mis dans les réseaux sociaux, de rapprocher pas mal des individus. Et ces femmes-là arrivent donc à saisir la sexualité d'un certain nombre des hommes. Par image, par vidéo, ainsi de suite. Et après, utiliser cela dans le contexte du chantage, afin de vous faire soumettre. L'argent sale est éventuellement connu. Le goût d'argent pousse parfois les gens à la chute brutale, comprenez. Et encore, les pasteurs, les faux pasteurs, utilisent donc la Bible comme un shield, comme on dit, pour tenter de faire véhiculer le venin du serpent. Et ça, c'est connu, et ça, vous comprenez. Donc, l'erreur, elle est humaine, certes, mais lorsqu'on tombe, il faut vite se réveiller. Et il faut reconnaître son tort. Il faut venir le dire au peuple, là, j'ai commis une faute, pardonnez-moi, et on reprend. C'est comme ça qu'il faut faire, surtout dans le contexte aujourd'hui, qui est de la Fédération Congo, le cap où tous les peuples ont tracé, le cap où les peuples ont approuvé à travers un bongi. Souvenez-vous que les Congos ont réalisé un bongi. Nous sommes partis
du 15 août 2021 au 10 octobre 2021, donc pendant 2 mois, 10 séances. Chaque séance durait plus de 5 heures à 6 heures, vous comprenez? Donc, les Congos ont bien mûri cette trajectoire, cette direction. Ils se sont dit, pas question, il va falloir qu'on parte. Mais non, on ne peut pas donc mettre en péril l'alliance éternelle des peuples en nous traitant, en voulant extirper, balkaniser, parce que c'est ça l'expression même que Sa Majesté Tikaya Zinga Premier a parlé, balkaniser, hein, pour tenter d'emmener le vénin pour dire à Don, non, nous pouvons être totalement séparés, non, nous pouvons être totalement séparés, non, 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 non. Et puis, il faut le dire, Sa Majesté Tikaya Zinga Premier, c'est lui qui héberge le Luango de jour comme de nuit. Souvenez-vous qu'il n'y a qu'un seul roi qui monte au trône. Et la sélection, la confirmation est en train de se faire d'une manière naturelle, lui par lui-même, Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambimpungu. Et cette sélection est soutenue par l'ensemble des ancêtres Congo sur l'axe Luango, Ludima, Kinkala. Donc, vous voyez, donc notre peuple peut le savoir. Mais non, celui qui ne porte même pas les symboles de Luango, hein, comprenez, n'a jamais porté les symboles de Luango, et qui se dit Sa Majesté, mais qui n'a jamais réellement pris le trône, hein, parce que comme vous voyez à la fin, Sa Majesté Tikaya Zinga le premier le dit, Sa Majesté Tikaya Zinga premier, roi du Luango, hein, hein, roi du Luango, il précise là où il est roi. Quand le prince Mikaya Pongi parle de prince de Ludima, on précise hein, la place, comprenez? Et c'est cela, quand le frère Birangi parle, gouverneur, il précise gouverneur du Niadi, hein, on précise le lieu. Maintenant, quand vous dites Sa Majesté et vous donnez votre nom, vous n'avez pas de lieu, vous n'avez pas de terre. Comprenez? Nous avons été très clairs dès le début dans les clauses entre les frères et les sœurs. Lors de la formation, de la mise en place, nous avons été très clairs. Nous avons pris cet engagement devant nos ancêtres, hein, et devant Nzambimpungu. On a dit au nom de Nzambimpungu, au nom de nos ancêtres, nous rentrons dans cette alliance pour mettre nos peuples ensemble. Celui qui sort de cette alliance sort seul. Voilà pourquoi nous parlons d'irréversibilité dans le contexte de la Fédération Congo. Toute signature qui rentre dans l'alliance éternelle, rentre pour amplifier, pour augmenter la magnitude de la force et de l'énergie de l'ensemble des peuples Congo. Comprenez? Maintenant, si un individu sort, il sort lui-même. Et ça, nous l'avons pris cet engagement devant Nzambimpungu. Nous avons pris cet engagement devant les ancêtres Congo. Parce que nous devons être des hommes de parole. Maintenant, si des gens rentrent pour tenter de balkaniser, ils vont balkaniser quelle terre? Comprenez? Souvenez-vous, Sa Majesté Tikaya Zinga Premier vous a déjà parlé au mois de mai 2021. Certainement vous oubliez très vite. Ils ont de Luango que de nom. Comprenez ça, là. Ils ont de Luango que de nom. Mais ils ne sont pas de chez nous. Il y a même un des frères qui a chanté, Musinzumba, hein, hein. Ce même frère-là qui est venu nous charger après dans une chanson d'accusation. Hein? Comprenez ça, chers amis, hein? Parce que nous avons revendiqué le fait qu'il avait enlevé tout l'album. Mais en réalité, c'était ça la chanson phare, hein? Sur toutes les plateformes, nous sommes venus le dire, le dénoncer d'une manière claire. Après, ils sont venus nous charger pour tenter de nous tuer, hein? En nous accusant sur plusieurs choses. Et ça, vous comprenez? Comprenez? Et quand nous avons fait cette intervention, cet appel, on a appelé au papa, aux mamans Congo d'agir afin que ce frère-là remette ces chansons-là, Bissinzumba, sur les plateformes, comprenez? Et après, ça a été fait. Nul a été notre intervention. Tout était parti parce que cette chanson-là vous retrace la réalité de ce qui s'était passé et le fait que nous sommes ici aujourd'hui devant la Fédération Congo. Ils ont de Luango que de nom. On va encore aller écouter ça rapidement. J'ai encore quelques minutes avant que je ne vous laisse. On va encore aller écouter ce que Sa Majesté Tikaya Zinga Premier vous a dit au mois de mai 2021. On écoute.
que le masque fini tombe pour qu'apparaisse le Moshi qui se cache. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2021. Le Collège Royal de Luango, dont vous savez que l'autorité légale et légitime est incarnée par Sa Majesté Makoso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle, reprend la parole pour vous rassurer. Pour rassurer le peuple souverain et insoumis du royaume de Luango, pour rassurer également les peuples frères et amis souverains et insoumis de la grande vallée du Nyari et du Poul. En effet, chacun de nous sait que pour tenter de semer la confusion dans les esprits non avertis, le sous-préfet français du bord de la Lima, encore appelé le boucher d'Oyo, a nommé au poste de premier serviteur un certain Anatole Colliné dit Makoso. Pour être bref, si France Fanon, pour condamner l'attitude de certains fils d'Afrique qui s'alliaient à l'Occident pour perpétuer le colonialisme, avait écrit « peau noire, masque blanc », aujourd'hui, pour tenter de pérenniser la présence Moshi dans le Sud Congo en général et dans le Luango en particulier, M. Sassou Denny nous offre à lire le contenu d'un livre de mauvais goût intitulé « Peau Moshi, masque vili ». En effet, actuellement dans le Luango, nous sommes en face d'un pouvoir d'occupation qui tente de s'appuyer sur des usurpateurs, des traîtres, des filles et des fils, originaires en réalité du pandémonium de la cité du diable, mais qui se donnent l'apparence vili pour essayer d'induire notre peuple en erreur et de le conduire droit en enfer. Tout le monde sait que depuis le 7 juin 2020, le Luango a repris pleinement sa souveraineté. Par conséquent, tout ce qui est fait sur nos terres du Luango, souverain et insoumis, sans l'aval du Collège Royal, relève du banditisme, de la violation de notre souveraineté. Surtout que depuis le mois de décembre 2020 est entré en vigueur le décret royal numéro 4 portant cessation des activités du PCT et interdiction de séjour de M. Sassou Denny. M. Anatole Colliné dit Makoso et sa cohorte de bandits qui se sont octroyés la qualité de sages comme leur chef s'est octroyé la qualité de président d'une république imaginaire alors qu'il n'est qu'un tueur en série protégé par le palais de l'Élysée, sont invités à rejoindre le Nord Congo où ils pourront s'épanouir librement à travers les activités de coupeurs de route et de bébés noirs au service de l'Occident. Par ailleurs, dans la marche vers la Fédération du Sud Congo, nous connaissons lesquels traînent les pieds parce qu'ils espèrent encore que la France, qui a été sortie juridiquement en tant que puissance coloniale de nos terres ancestrales depuis notamment le 7 juin 2020, puisse les remettre un certain pouvoir pour régner son partage dans leur fameux Congo-Brazzaville qui, il faut le redire, n'est qu'un état mort-né depuis sa création officielle le 28 novembre 1958. Enfin, que les masques vili tombent pour qu'apparaisse la peau Moshi de celles et ceux qui n'ont de Luango que le nom et non l'âme. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Voilà, donc rappelez-vous, ils ont de Luango que le nom et non et non dans l'âme. Hein? Ils n'ont, leur âme n'est pas de Luango. Parce que nombreux parmi nous sont issus de l'immigration, de la colonisation française. Mais ces gens-là manipulent bien nos langues. Ils sont dans nos familles respectives. Comprenez?
Et c'est ce que nous sommes en train de vous expliquer. Cela qui change tout le temps, qui nous ramène tout le temps vers l'ennemi, qui pense toujours que le vivre ensemble avec ces gens-là est possible, ne sont pas de chez nous en réalité. Souvenez-vous, hein, ça c'était en 2021. Moi personnellement, j'ai enlevé Makoso 5 du trône. Je le dis ici haut et fort, à mon nom personnel. Pourquoi? Parce que j'ai usé de mon énergie pour le ramener au trône de Luango. Mais là, je l'ai retiré du trône de Luango. Pourquoi? Je l'accuse d'être en alliance avec l'ennemi. Hein? Parce que c'est lui qui vient accuser, qui parle que la fédération est une erreur. Il parle, la fédération n'est pas un pays. La fédération, c'est une institution. Vous comprenez? Apparemment, il est crazy là-bas. Hein? Il parle même de Luango, c'est un autre pays. Et c'est là où on est en train de vous dire. Voilà là où ils veulent venir. Ils veulent emmener, hein, c'est dans leur démarche. Mpangala est un pays, Luango est un pays. Pour tenter d'isoler la grande vallée du Niadi. C'était ça le plan que les Français ont fait. Parce qu'ils savent que la Fédération Congo, c'est du jamais vu dans l'histoire, depuis nos ancêtres. Après nos ancêtres, comprenez? Après l'entente qu'avaient nos ancêtres dans les années 1800, c'est aujourd'hui la Fédération Congo qui rassemble ces peuples-là. Parce qu'une fois ces peuples-là unis, personne ne peut les déboulonner. Et si vous comprenez, voilà pourquoi ils ont tenté, ils s'étaient même donné des dates, le mois de septembre passé, et là ils sont passés à la vitesse supérieure en tentant d'utiliser les frères de l'intérieur. Mais en réalité ces frères-là, si nous essayons de décortiquer, ils n'ont pas les socles de fondation chez nous. C'est ça la réalité. Et le véritable roi, les véritables fils qui sont, ou les véritables filles de ces territoires-là, se sont levés pour protéger ce que nous appelons l'alliance éternelle des peuples Congo, qui est la Fédération Congo. Donc tout individu qui tente de venir nous basculer une erreur, tente de nous tirer de gauche à droite, il n'est pas de chez nous. Hein? Et surtout ces gens-là, surtout Makoso 5 que nous appelons aujourd'hui Akoso, n'a jamais porté un symbole de Luango. Jamais porté un symbole de Luango. Comprenez? Ce sont des Mbisinsumba. Comprenez ça, chers amis. Donc, il faut que nous comprenions bien ça. Hein. Je vais rapidement vous rappeler encore quelques communications que nous avons déjà réalisées pour que ça vous rafraîchisse encore la mémoire. L'heure est grave, comprenez ça, chers amis. On ne peut plus se mettre à tergiverser. Hein. Est-ce que c'est cela? Attends-moi. Les sœurs du Luango souverain et insoumis, chers frères et sœurs de la grande vallée du Niadi et du Poul souverain et insoumis, vous avez été très nombreux, vous couples mixtes, unis par les liens de par... Je prends ça, écoutez ça. Chers peuples du Luango, chers peuples du Sud Congo, vous avez été très nombreux à nous solliciter, à nous interroger sur les origines de Sassou Denny et de sa bande et ou de sa cohorte de bandits peuplant actuellement les bords de la Lima, un territoire appartenant en réalité au royaume Teke. Après un travail de recherche de 4 années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Denny est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste béninois, car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Brazzaville en 1943 par le port de Djidji, baptisé par les colons de Pointe-Noire. Étant ici fait observer que la première vague des déportés de l'Afrique de l'Ouest, comme ils avaient été nommés par les colonisateurs français et européens, est arrivée dans le nord de l'actuel Congo-Brazzaville en 1905. Cette vague était essentiellement composée de repus de justice, de bandits, de bébés noirs de l'époque dont la France ne voulait pas qu'ils puissent
transmettre leur comportement déviant, leur comportement de malfrat aux populations dociles et travailleuses qui peuplaient l'Afrique de l'Ouest du début des années 1900. Sassou Denny a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent les territoires appelés Congo-Brazzaville. Mais il est, à dire vrai, béninois. Vous connaissez donc que la nuance se situe dans la différence existant entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Si Sassou et les Moshi étaient effectivement des Congolais, ils auraient servi et défendu les intérêts du peuple Congo, les intérêts de celles et ceux qui sont issus du grand peuple du Congo Dianto Tela. Cependant, c'est parce que la première communauté Moshi, arrivée sur le sol Teke, était composée de malfaiteurs que les Français et les Occidentaux, non contents de la volonté d'indépendance des Sud-Congolais, ont volontairement jeté les hommes qu'on qualifierait de nordistes béninois sur les hommes honnêtes et travailleurs du Sud-Congo. Cela depuis avril 1959. Face à la violence, face au crime, au vol et à la dépravation de mœurs, nos anciens n'ont pas compris l'origine du mal. Voilà pourquoi, étonnés, surpris, mais pas désespérés, parce qu'ils savaient que tôt ou tard, le jour allait se lever dans le Sud-Congo, ils, nos anciens, ont prononcé la célèbre phrase que nous connaissons tous, Bamboshi Kabena Bantuko. Les Moshi ne sont pas des hommes. On pouvait aussi l'entendre comme Bamboshi Kabena Bantuko. Donc, les Moshi ne sont pas des Bantous. Les Moshi n'ont pas de tête. Pour terminer, je vous dirai que les Moshi sont bien des hommes. Les Moshi ont bien une tête. Oui, ils sont des hommes et ils ont une tête. Mais ils sont configurés par les Occidentaux à faire le mal. Enfin, il faut le savoir, les Moshi ne sont pas Luango compatibles. Ils ne sont pas non plus des Congo compatibles. Voilà pourquoi, bien que restant au service du monde noir, nous avons entre autres décidé de reprendre notre souveraineté les 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive la grande vallée du Nyadi et les terres de Pangala souveraines et insoumises. Vive le royaume et chefferie unie d'Afrique qui, tôt ou tard, viendront à la suite du syndicat des dictateurs et criminels serviteurs de l'Occident nommé Union africaine. Bon, ça encore, c'est un rappel de tout ce que nous avons déjà dit. C'est clair. Nous faisons face aux gens qui ne sont pas compatibles de nos territoires. Ils ne sont pas compatibles de Mpangala, ils ne sont pas compatibles de la Bouenza, ils ne sont pas compatibles de la Lekoumou, ils ne sont pas compatibles du Nyadi, ils ne sont pas compatibles de Luango, vous comprenez? Et on ne peut pas tergiverser. On maintient le cap. Même parole. Tous ces gens-là sont les ennemis. Tous ceux-là qui shiftent pour tenter de dissuader notre peuple sur un autre chemin est un ennemi. Nous allons les abattre tous. Ceux-là qui ne vont pas se rallier, ceux-là qui ne vont pas changer, ceux-là qui ne vont pas reconnaître leur erreur. Nos anciens, nos grands, nombreux ont fait les erreurs, mais ils ont accepté de mourir avec ces erreurs-là. Et nous subissons aujourd'hui. Nous, on ne laissera pas se passer. On ne laissera pas cela se faire. Parce que c'est une contamination très dangereuse pour les peuples Congo. C'est une question de survie. Nous allons abattre nos propres frères, nos propres sœurs qui ne sont pas dans le contexte de l'intérêt général des Congos. Voilà la position. Il faut que ça rentre bien dans la tête. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec l'ennemi. Le président Bush l'a déjà dit, là au Congrès américain, devant l'Assemblée, le Congrès, les sénateurs réunis. Il a dit une chose. Ou ceux-là, ce peuple-là était avec eux quand ils avaient été attaqués, entre guillemets, par à World Trade Center, ou vous étiez avec les terroristes, c'est sûr, dans le cas ici.
Et je termine pour dire ceci à Tony Moudilou, un vieux grigou qui passe tout son temps hein, à jouer de pied de grue dans les maisons, entre guillemets, des Mossis sur les places de l'écoderme de Pompidou. Un vieux grigou qui passe son temps à se desquamer la peau, qui n'a jamais travaillé toute sa vie, de faire excessivement attention dans ses publications. On est à un moment crucial. Les Tony Moudilou ne sont pas de chez nous. N'a qu'à regarder leur argumentation. Hein? Ils ne sont pas de chez nous. Tout le temps que les Mossis sont sur la place de Pompidou, ils font les pieds de gueule dans les maisons des Mossis. Ils mangent à table, ils reçoivent de l'argent. Mais attention, les Lissouba ne sont plus là. Les Kolela ne sont plus là. Les Kolela ont quitté, les Bernard Kolela, hein, ont quitté, les Lissouba ont quitté ces terres-là. On les a chassés comme des chiens depuis 1997. Nous nous dirigeons à 30 ans maintenant que ces gens-là ne sont pas là-bas. Mais les Tony Moudilou viennent nous emmener le playbook toutes les fois qu'ils veulent vouloir manger, augmenter les enchères auprès de leur maître Mossi, tenter d'emmener une friction entre les peuples Congo. Les Tony Moudilou, nous vous mettons en garde, nous vous buterons tous, je tiens à vous le dire. Personne ne va vous protéger, même le niveau de Mpangala. Vous êtes des traîtres et des manipulateurs. Nous allons faire un grand nettoyage dans l'ensemble de nos territoires. Voilà la solution. Hein? Parce que vous êtes des pourris, des vendus. Hein? Vous nous jouez au playbook de Lissouba Kolela pendant que vous avez mangé dans les maisons de Mossi, à la place de Pompidou, à la place de Hitlerville. On vous voit tous les jours manger. On vous voit tous les jours dans des deals. Et vous voulez nous parler, nous emmener de gauche à droite? Non! Envoyez ce message-là à Tony Moudilou, à tous ces vieux grigous, hein, qui ont balkanisé Mpangala, vous comprenez? Et qui sont maintenant en train de contaminer les jeunes de Mpangala. Ça ne se passera plus comme ça. Nous avons mené le cap de nos peuples pour donner les bienfaits à nos peuples. Le rassemblement de nos peuples. Nous avons réalisé le Mbongi. Dites à Moudilou Tony, est-ce qu'il était là? À Tony Moudini, il était là? Non, il n'était jamais venu. Parce qu'il passait tout son temps dans les couloirs, dans les maisons des criminels Mossi sur la place de l'écoderme de Pompidou en train de manger sous eux. Donc nous vous mettons en garde à tous ces jeunes-là qui sont dans des groupes WhatsApp en train d'argumenter pour tenter d'enlever le véritable problème. Le véritable problème est là. Nous avons été envahis, nous sommes occupés par des peuples venus d'ailleurs, les Mossi et les Nordistes. Et qui manipulent les nôtres. Il y a aussi l'infiltration, les Missi Nsumba, comme les Tony Moudilou. Ils ne sont pas de chez nous. C'est ça la réalité. Si vous allez dans les deuxième, troisième génération, ils ne sont pas de chez nous. Voilà pourquoi ils n'ont jamais d'amour pour nos peuples. Voilà pourquoi ils sont dans tous les complots. On tue là-bas, ils n'ont rien à cirer. Ce qui compte, c'est leur ventre. Maintenant, là, vous aviez les vrais fils et filles Congo se sont levés pour emmener ce peuple-là vers un nouveau chemin. Je termine donc en vous jouant pour la dernière fois. Le message de notre roi, l'unique roi de Luango, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, son message d'aujourd'hui, hein, du 31 mai 2023, qu'il est en train de donner à l'ensemble du peuple Congo, rassurer l'ensemble des peuples Congo. On va donc écouter et on va mettre terme. Cher peuple du Rhum de Luango souverain et insoumis, cher peuple de la Fédération Congo souveraine et insoumise, recevez mes salutations fraternelles en ce jour de 31 mai 2023. Dans 7 jours, c'est-à-dire le 7 juin 2023, nous célébrerons et fêterons tous ensemble le 3e anniversaire de la souveraineté retrouvée de notre royaume, de votre royaume. Ça sera l'occasion pour chacun d'entre nous, non seulement de chanter et de danser seul et ou en famille, mais aussi et surtout l'occasion de s'interroger sur la part, la contribution de chacun dans la consolidation de cette souveraineté et dans son installation effective sur le terrain, sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres actuellement sous occupation illégale et illégitime franco-mboshi. En effet, nous le savons tous et même nos ennemis le savent. Pour aussi parfaite que puisse être la création de la Fédération Congo, ce qui est déterminant, c'est la reprise effective du contrôle de nos terres et la gestion de celles-ci par nous-mêmes. Pour atteindre nos objectifs, l'âme la plus puissante reste le renforcement de l'union de nos peuples
et la mobilisation de chacun d'entre nous autour de l'idéal commun, autour du cap fixé par la Fédération Congo à travers la pétition qui nous a conduit à la création de notre nouveau pays, le 55e pays d'Afrique regroupant le royaume de Luango souverain et insoumis et les quatre États souverains et insoumis, de Mpangala, de la Bouenza, de la Lekoumou et du Niadi. En effet, c'est connu, lorsque les bonnes idées de libération et des révoltes s'emparent des peuples opprimés solidaires, elles deviennent une force capable de soulever les montagnes. Oui, nous soulèverons les montagnes tous ensemble. Voilà pourquoi la moindre idée de balkanisation, implicite ou explicite de notre peuple, du peuple Congo dans sa diversité, doit être condamné. Chers peuples, nous sommes tous, vous êtes tous d'une certaine façon des leaders de la Fédération Congo. Cependant, celles et ceux qui pensent jouer un rôle positif au sein du royaume de Luango, souverain et insoumis, et par conséquent, au sein de la Fédération Congo souveraine et insoumise, doivent s'abstenir de ramener sur la table du Mongi Congo permanent la nourriture préparée, empoisonnée et offerte par l'ennemi pour ensuite plaider l'erreur de casseroles et de recettes. Cher peuple Congo dans sa diversité, parce que nous combattons nos ennemis avec en très grande partie le plan de l'au-delà et la volonté de Zambia Mpongo, nous sommes soumis en permanence à toutes sortes de tentations. C'est humain, je peux le concevoir. Parfois même, il peut arriver de succomber à certaines suggestions du malin, en mangeant un peu plus que d'habitude, en dormant un peu plus que d'habitude, en aimant charnellement un peu plus que d'habitude, mais lorsqu'on tombe, il faut savoir se relever très vite. Chers peuples, chers frères et sœurs, que la tentation vienne de l'esprit du diable, cela peut être compréhensible, voire même excusable. Toutefois, que cette tentation vienne des hommes et des femmes, comme les Mboshi et les locodermes occidentaux, notamment français, que nous connaissons très bien, est inexcusable et intolérable. Voilà pourquoi je réitère ici, à travers cette allocution, qu'il s'y est de rompre définitivement et irréversiblement les liens avec tout débrasiste, agent publicitaire du palais de l'Élysée, portant ou non la marinière jaune de leur président français nommé, et je cite, ou je nomme, Emmanuel Macron. Cher peuple Congo dans sa diversité, chers frères et sœurs, une faute avouée est à moitié pardonnée. Par conséquent, celles et ceux qui ont été approchés par les faux hommes de prière, par l'argent sale, Nemboshi, ou par les femmes manipulatrices dont ils reconnaissaient les visages, puissent l'avouer à leur peuple afin de bénéficier éventuellement du pardon de ce même peuple, car je ne vois pas ou je ne vois que les faux pasteurs ou les faux prêtres, l'argent sale ou la femme manipulatrice à l'origine du trouble de l'esprit de celles et ceux qui, en ce qui concerne la Fédération Congo, évoque maintenant ou aujourd'hui une erreur de création. Enfin, mon cher peuple, mes chers frères et sœurs, soyez rassurés. La souveraineté retrouvée du royaume de Luango n'est pas en péril. La souveraineté de la Fédération Congo et l'alliance éternelle du peuple Congo dans sa diversité ne sont pas non plus en péril. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive le 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive le peuple Congo dans sa diversité. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Bantu Lumonde, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tshikeya Zinga Ier, roi du Luango. Misengifwa, Shinga Shikimoni. Misengifwa, Shinga Shikimoni. Misengifwa, Shinga Shikimoni. Mukongo ke Kilimanzao. Congo kele kokoko konditadi kokoko konditadi kokoko konditadi le diambu yai benge kuwa nsunga ya beto tango betke zwa bingundu nikuno benge zaba matona nguli ambote abu abupia.